Magda. Bonsoir, docteur. La fois passée, nous avons commencé avec la première partie de l'éthique. Et aujourd'hui, nous allons continuer à partir de là où nous nous sommes arrêtés. Mais avant ça, je vais prendre quelques minutes pour remettre dans le contexte l'exposé de la fois passée. Comme ça, nous sommes tous sur une même lancée, surtout pour ceux qui soit n'avaient pas participé, soit n'étaient pas présents. Et après ce petit récapitulatif, nous allons ensemble continuer avec la deuxième partie qui est en fait la plus intéressante parce que nous allons non seulement faire ce qu'on appelle ethical reasoning, donc nous serons capables de résoudre les dilemmes d'éthique, mais nous allons aussi parcourir les différentes bouclettes de bioéthique pour les professionnels de santé en Afrique du Sud. Donc, les bouclettes qu'on a partagées dans le groupe, j'espère que tout le monde a pu avoir le bouclette et même le lire. Et si on a un peu de temps, on va faire quelques battes aujourd'hui, mais on va prendre toute une séance rien que pour faire les battes plus tard. Mais les battes ne vont pas intervenir en ordre, c'est-à-dire ce ne sera pas la prochaine séance parce qu'on va, dans la prochaine séance, passer à autre chose et on reviendra un peu plus tard pour faire les battes. Comme ça, on profite pour avoir des nouveaux sujets. Et avant de commencer les récapitulatifs, j'aimerais juste dire que nous avons un deuxième groupe des collègues qui vont passer l'examen très bientôt, dans exactement, je crois, 4 à 5 semaines. Ces collègues vont passer l'heure au ski. Et Dr Chiswag est en train de s'organiser pour mobiliser les encadreurs pour que ce groupe-là reçoive un paquet de ski pour qu'il soit prêt. Donc, il y aura des séances qui seront parallèles avec le groupe ici de juillet qui a commencé la fois passée l'éthique. Il y aura un deuxième groupe qui ne fera que le ski et qui sera en mode accéléré. La demande que nous sommes en train de faire avec Dr Chiswaka, c'est que nous voulons et que les collègues qui vont passer le ski puissent bien se manifester. Comme ça, on crée un groupe bien séparé pour eux et les encadreurs qui sont libres peuvent commencer à les prendre progressivement pour les skis. Bien sûr, ces séances-là seront publiques, mais les liens
De ceux qui ne participent pas, sera un lien, par exemple, YouTube. Eux, ils seront vraiment dans des classes Zoom qui seront réservées à eux. Comme ça, on maximise leurs chances à être prêts pour l'examen. Pour ceux qui vont en juillet, je vous recommande de toujours continuer à vous manifester aussi clairement. Comme ça, on connaît, surtout quand on va approcher, on connaît exactement qui va présenter les examens de juillet. Pour ceux qui vont présenter les examens après juillet, c'est toujours intéressant d'une manière ou d'une autre de rester avec ceux qui préparent les examens maintenant. Comme ça, quand votre tour arrive, vous n'êtes pas dans cette, disons, vous n'êtes pas en train de courir maintenant pour vous préparer. C'est-à-dire, il y a des séances comme l'éthique qu'on va certainement refaire dans la deuxième partie de cette année, que vous aurez déjà suivi une fois, et la répétition, c'est la mère de la science. Donc, c'est toujours bien de répéter quelque chose plusieurs fois, comme ça vous maîtrisez davantage et vous êtes plus serein et plus, comment dire, confortable lorsque vous allez pour les examens. Alors, cela étant dit, on va très vite passer à cette séance des 1 heure. On va passer 1 heure, maximum 1 heure 10 minutes ensemble pour faire la deuxième partie de l'éthique. Mais je voulais d'abord refaire le contexte. Si vous vous rappelez la fois passée, nous avons commencé par mettre une grande définition. Je crois que je peux même vous donner les slides. Attendez, je dois voir ça quelque part. OK. Donc, je vais passer les slides vraiment en 5, maximum 10 minutes. Comme ça, on comprend tout ce qu'on a fait jusqu'ici et on peut continuer. Donc, alors, la fois passée, nous avons commencé d'abord par mettre la bioéthique dans le contexte de la science en général. On a dit que la bioéthique, c'était une partie de l'éthique. Qui étudiait, et l'éthique lui-même était une partie de la morale. Alors, la morale et l'éthique, ce sont des sciences qui ont le même objet. C'est-à-dire, la morale, c'est l'étude de ce qui est bien et de ce qui est mauvais, des rights and des wrongs. Mais l'éthique, c'est maintenant la pratique de la morale. Donc, dans l'éthique, on définit de manière pratique si une action est mauvaise ou une action est bonne. Mais au-dessus de l'éthique, nous avons la morale qui est en fait une science philosophique, une science théorique. Et c'était important de définir la morale parce que la morale en tant que une partie de la philosophie nous donnait les bases de l'éthique. Donc on ne peut pas faire de l'éthique, même quand on le fait en tant que professionnel de santé, c'est-à-dire quand on a des patients chez qui on doit soit prendre des consignes, soit des patients chez qui on doit résoudre des dilemmes d'éthique. On doit en réalité atteindre ces niveaux-là où on comprend pourquoi est-ce qu'on fait l'éthique, quelle est l'approche, où l'éthique se situe où dans la science en général. Et donc l'éthique a ses origines dans la morale, qui est la partie théorique, l'éthique étant la partie pratique, la morale étant une partie de la philosophie. La morale étudie le bien et le mal. Donc, mais la morale, comme j'ai dit, c'est théorique. Et les théories qui sont à l'intérieur de la morale nous permettent de poser des actes ou de justifier les activités ou les actions d'éthique. Et ce qu'on a fait la fois passée, c'est que nous sommes d'abord pour arriver à la partie moderne de la bioéthique, nous avons passé en revue un certain nombre d'événements qui ont au fait aidé à forger l'éthique telle que nous sommes en train de le vivre actuellement. Nous avons passé un premier événement qui était la Deuxième Guerre mondiale. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, nous avons vu que les camps de concentration, surtout les camps de concentration de Dachau, dans ces camps de concentration, il y avait des expérimentations
coercif qui s'est passé sur les prisonniers. Hein, vous vous rappelez de ces expérimentations sur la haute altitude, sur les gaz, sur... Ferme la porte là. Merci. Sur les gaz, sur les boulettes empoisonnées, toutes ces même sur l'extirpation des squelettes pour des fins d'études d'anatomie dans les facultés des sciences de Ostrich. Donc, toutes ces expérimentations-là nous ont amenés à produire un document important, le Code de Nuremberg, qui était l'un des premiers documents d'éthique. Et ce code-là nous a donné, au fait, la connaissance de informed consent, c'est-à-dire qu'il faut pas, il faut demander la permission du patient. Le patient doit absolument accepter. L'autonomie est venue de là, c'est-à-dire le patient est le seul qui doit prendre la dernière décision sur sa santé. Et ça, c'était très important parce que c'était une première étape de la modernisation même de l'éthique. Mais nous voyons que c'est une époque très sombre de la morale et de la bioéthique. Ensuite, on a eu le trial de Tuskegee avec le rapport de Belmont. Le rapport de Belmont, nous sommes donc dans les années 1930, un peu avant, avec la syphilis, cette étude-là de la santé publique sur la syphilis, où plus de 600 Noirs américains étaient embarqués dans cette étude. Eh bien, on les a promis des funeral policy, malgré la découverte de la pénicilline en 1947, ces Noirs qui étaient dans cette étude avec la syphilis n'ont pas bénéficié de l'antibiotique. On devrait attendre 1972 pour qu'un journaliste puisse tirer l'alarme et dire, au moment où nous sommes en train de vivre ici en 72, depuis 47, il existe un médicament contre la syphilis, mais il y a un groupe de Noirs qui sont tenus dans une étude qui ne donne pas le bénéfice, n'est-ce pas, d'avoir la pénicilline comme traitement. Et ça a amené le rapport de Belmont. Le rapport de Belmont est devenu aussi un document de référence dans l'éthique. Ensuite, on a eu d'autres événements. Il y a l'Association mondiale de la santé qui s'est créée et qui a produit beaucoup de documents d'éthique. Il y a eu beaucoup d'autres cas. On a même cité le cas de l'utilisation artificielle ou du maintien artificiel de la vie qui était devenu un élément. Actuellement, il y a beaucoup de débats sur les embryons, sur les surrogates. Il y a des débats sur termination of pregnancy. Il y a des débats qui continuent sur l'utilisation de tout ce qui est artificiel pour augmenter la vie et ainsi de suite. On va d'ailleurs parler de certains de ces éléments-là. Nous avons très vite, la fois passée, défini un certain nombre des grandes théories de morale qu'on utilise en éthique. Nous avons parlé de la théorie du professionnalisme, ce qu'on appelle les duty theories. Le duty theory, en résumé, c'est quoi? Quand on est professionnel, on a des devoirs envers la société. La société, en retour, nous donne des privilèges. Quand on voit un médecin, c'est le respect, on sait comment est-ce que la société traite les médecins en général. Mais en échange, le médecin a des devoirs envers la société, comme soulager la douleur, hein, alléviate pain, comme, n'est-ce pas, prolonger la vie, comme... Et ça a amené donc cette grande théorie-là de duty theory qui est la déontologie. Il y avait la théorie d'utilitarisme ou le conséquentialisme, la fin justifie les moyens. Ça veut dire, peu importe ce que je fais pour arriver à quelque chose, si à la fin, la majorité bénéficie, eh bien, je ne peux pas rendre compte de mes actions qui m'ont amené à ces fins-là. Et là, il y avait cet exemple de la voiture qui avait fait cet accident avec qu'on appelle le suitcase money, qui est un cas classique de bioéthique. On dit, mais vous êtes en train de suivre cette voiture, le millionnaire vient de faire son accident, il était ivre,
vous avez des enfants mal nourris. Eh bien, est-ce que cet argent qui va maintenant aider ces enfants mal nourris, tant que cet argent amène du bien à un grand nombre d'enfants alors qu'il était utilisé par un ivrogne, est-ce que vous devez moralement, on doit vous juger comme ayant posé un acte mauvais ou bon? Donc, ça c'est. Alors, si vous utilisez la loi, les duties ou l'utilitarisme, vous direz oui, mais tant que la majorité bénéficie, même si cet argent a été pris dans un lieu de car crash, je n'ai pas à me justifier. On a fait l'éthique on a fait la théorie de Ubuntu, on a fait Ethic of K, qui disait qu'il faut substituer son patient, soit à son oncle, à sa tante, à ses enfants. Comme ça te donne cette énergie-là de soigner les patients en les substituant à quelqu'un de plus proche. Et on a vu que toutes ces théories-là, c'était très bon de les avoir. Ça nous permettait de justifier nos actions. Mais ils étaient nombreux. Et les théories, c'est la philosophie. Nous, on a besoin de quelque chose de pratique. Et dans ce qui est pratique, on a dit, il faut absolument, avec Beauchamp et Childress, on a cité quatre principes de bioéthique qui sont beneficence, qui sont non-maleficence, qui sont l'autonomie et enfin la justice. Donc les quatre principes de bioéthique. Mais aujourd'hui, comme on va le voir, on a 13 principes en réalité qui sont dans la bioéthique. On va les citer quand on va commencer donc notre discussion du jour. Et on a dit avec ces principes, on peut, en les utilisant, naviguer les dilemmes d'éthique, des bioéthiques. Et donc, c'est important de connaître ces principes-là parce que ça nous aide à naviguer à chaque jour les dilemmes que l'on rencontre. Et nous sommes donc arrivés à cette étape, et je crois que là, je peux partager, je vais voir, oui, l'éthique est ouvert. Donc, nous sommes donc arrivés à. Si vous vous rappelez, on a parlé de tout ça. Donc, on a parlé de bénéficence, de non-maleficence, de l'autonomie et de justice, comme les quatre grands principes de bioéthique. Et bien sûr, nous sommes arrivés maintenant, après les quatre principes, à la discussion d'aujourd'hui qui est le ethical reasoning. Alors, chaque fois qu'on a un problème d'éthique, il faut avoir un framework, c'est-à-dire une manière de référence, de prendre le raisonnement pour que, peu importe où vous vous trouvez, peu importe le cas que vous avez, si on donne le même cas à un autre médecin, vous devez tous arriver à la même conclusion. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. On va tenter de mettre un framework qui va nous permettre de standardiser notre manière de prendre des décisions éthiques. Et ce framework est identifié sur les 5 points qui sont sur le slide que vous voyez. The first one is you need to state the problem. Le médecin qui est devant un dilemme d'éthique doit dire, What am I facing here? What is the dilemma here? You first need to state the problem. Le problème ici, c'est que j'ai. Comme on va le prendre dans l'exercice qui va suivre, j'ai un enfant qui est issu des parents témoins de Jéhovah et je dois transfuser cet enfant en urgence. Mais les parents disent non. Voilà, ça c'est le problème. Je ne suis pas encore entré dans les détails, mais là j'ai juste donné un peu en résumé le problème en quelques mots. Deuxième étape, il faut identifier le problème. L'identification du problème, c'est l'identification éthique du problème. Ça veut dire qu'il faut rentrer dans les principes d'éthique et rechercher les deux ou les trois principes d'éthique qui sont en contradiction. Généralement, on a des problèmes d'éthique quand les principes d'éthique sont en contradiction. Il faut rechercher lesquels sont en contradiction. En plus, il faut rechercher lequel des potentielles personnes engagés dans ce scénario-là,
ne sont pas d'accord avec l'approche ou les options de traitement ou les options de management que l'on est en train de donner aux patients. Ça, c'est l'identification du problème. Il faut que les problèmes soient identifiés clairement pour que dans la conclusion, on puisse répondre aux problèmes identifiés. Troisième étape, il faut maintenant identifier toutes les personnes qui sont engagées dans cette affaire, des stakeholders. Dans l'exemple qui va suivre, on va le voir, l'enfant qui doit être transfusé, c'est une personne à part entière, mais le médecin est aussi là, les parents sont aussi là, et ainsi de suite. Et enfin, il faut débattre, il faut raisonner. Et ici, c'est là que on demande au médecin de prendre beaucoup de jouer beaucoup de rôles, de jouer le rôle de l'enfant. Si j'étais l'enfant et que j'étais dans cette situation, qu'est-ce que je voudrais bien qui puisse m'arriver? Si j'étais le parent, j'étais un témoin de Jéhovah, et ainsi de suite. Donc, et on met les arguments en faveur et en défaveur de chaque personne. Et à la fin, il faut mettre ces arguments ensemble. Et enfin, il faut maintenant arriver à la conclusion. La conclusion part de tous les éléments précités. Ça, c'est le framework. On va toujours revenir sur ce framework pour résoudre les deux problèmes ou les trois qu'on va faire dans la suite. Alors, sans plus tarder, prenons le tout premier des problèmes ici. Et là, je vais demander la participation de deux ou trois ou même quatre personnes, des volontaires. Comme ça, on a un bon petit débat et on va voir comment le framework ici fonctionne. Alors, case one, life-saving treatment to a child. A three-year-old child is brought in your emergency department with severe malaria and decompensated anemia. The hemoglobin is 4 grams per liter. The parent opposed to consent for blood transfusion because of religious belief. Please debate and support your decision. Voilà un cas d'éthique. Alors, j'ai besoin d'abord de deux volontaires qui vont rapidement me dire comment est-ce qu'ils peuvent résoudre ce problème. Qu'est-ce que vous allez faire, docteur? Alors, je vois docteur Oshua. D'accord, merci docteur, merci pour la parole. Bon, personnellement, je vais respecter la décision des parents parce que ce sont eux qui ont le droit sur l'enfant, étant donné que l'enfant est de 3 ans, il n'a pas la capacité de donner le consentement. Donc, c'est les parents qui doivent donner le consentement. Comme ils s'opposent, alors je vais demander aux parents d'écrire une lettre disant qu'ils ont refusé. Et là, donc, ils vont assumer la décision de l'enfant. Donc, ils vont plutôt assumer les conséquences de leur refus. Bon, je voulais savoir très si belle approche. Il fallait que je respecte les 4 frames. Non, 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 pas du tout. Ah, pour l'instant, on donne juste nos avis sans les frameworks. Votre approche est très bonne. Je respecte ça. Merci, docteur. Merci. On va prendre docteur Mwanawa Bene. Docteur Mwanawa Bene, ouvrez votre micro. Docteur Mwana Wabene, ouvrez votre micro. Docteur Maketi peut aussi intervenir, hein. On a juste besoin d'abord de trois intervenants. Allez-y, docteur Rodrigue Maketi. Vous venez de refermer votre micro, docteur. Allô, docteur, vous m'écoutez? Très bien, docteur.
Je pense que dans ces cas, c'est un cas de... Parce que les médecins prêtent serment de sauver des vies. Ils ne prêtent pas serment de respecter seulement les opinions des parents et puis quoi? Et puis faire tomber l'enfant qui est malade. Je pense que dans ces cas, il faudra prendre une décision qui peut sauver la vie de l'enfant. En soi, j'ai un cas même qui est arrivé comme ça. Une de notre tantes a perdu sa fille comme ça. Et c'était vers les années, je pense, 1993, comme ça. L'enfant était malade, il était témoin de Jéhovah, elle a refusé qu'on transfuse, et puis l'enfant est mort. Donc je pense que le médecin doit prendre la décision. Si les parents résistent toujours, il faudra même aller atteindre les autorités capables de trancher cette histoire-là, de trancher ces problèmes-là, parce que moi, mon souci, c'est de sauver mon patient qui est malade. Très bien, belle approche, docteur. Et belle argumentation. Écoutons docteur Rodrigue. Docteur Rodrigue, je vais ouvrir votre micro à partir d'ici, hein. Donc, allez-y, c'est ouvert maintenant. Okay, merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Je pense que Bonsoir, docteur. comme c'est un enfant qui est à des 3 ans, donc il n'a pas l'âge de donner un consent, et il est donc responsable de ses parents. Et si ce sont les deux parents qui sont là et qui les deux refusent pour des raisons religieuses, je pense que dans ces cas, il faut involver les autorités. Les autorités, soit au niveau de l'hôpital, soit au niveau, s'il y a un comité éthique au niveau régional ou provincial, ou même au niveau d'un code pour obtenir l'autorisation de transférer cet enfant, en fait, de sauver la vie de l'enfant. Merci beaucoup. Très bien. Ok, docteur. Alors, voilà, ça c'est exactement ce qu'on ferait. J'aime toutes les réponses que vous avez données sont correctes. Mais maintenant, remarquez l'exercice qu'on va faire ensemble ici et vous allez apprécier l'utilisation du framework, hein. Alors, commençons l'exercice par la première étape qui consiste à state le problème. Je crois que le problème, première étape, c'est déjà fait. Le problème est clair là-bas. Nous avons un enfant de 3 ans, l'hémoglobine est à 4, c'est la malaria sévère. Les parents s'opposent pour sur base de leur religion. Et voilà. Alors, deuxième étape, on dit il faut identifier le problème. Mais dans ce que vous venez de dire, docteur, il y a déjà des problèmes qu'on a identifiés ici. D'abord, docteur Ochoa a dit il faut, et même docteur Rodrigue, les deux ont dit il faut respecter l'autonomie de l'enfant. Et l'autonomie d'un enfant, généralement, c'est au niveau de ses parents que l'autonomie réside, parce que l'enfant ne sait pas décider. La personne qui ou les personnes qui décident à la place de l'enfant, ce sont les parents. Donc, ici, il y a déjà un premier principe d'éthique que nos deux collègues, Rodrigue et Ochoa, ont mis en exergue pour dire, ben, nous allons utiliser le principe de l'autonomie pour dire respecter l'autonomie du patient. Docteur Maketi est venu pour dire, ben oui, je connais ces principes d'autonomie, mais moi, je parle de bénéficience. Le médecin doit toujours aller en avant pour promouvoir la vie, pour garder la vie, pour donner ce qui est avantageux à l'être humain. Et donc, bénéficience, c'est ça que moi, j'aimerais donc utiliser comme principe de base pour justifier ma décision. Docteur, remarquez déjà ici qu'on a un problème. On a un problème parce que d'un côté, vous qui êtes médecin au milieu de cet enfant, de cette maman, de ce traitement, vous ne savez pas quel principe, n'est-ce pas, d'éthique utiliser. Est-ce qu'il faut aller avec l'autonomie? Parce qu'on dit, il faut toujours respecter l'autonomie. Est-ce qu'il faut aller avec
bénéficience, le premier principe de toujours faire du bien, il y a un conflit. Donc, nous venons de finir avec notre framework, deuxième étape qui est d'identifier le problème. Le problème ici se trouve entre l'autonomie et la bénéficience. Nous entrons dans notre troisième étape qui consiste à identifier les stakeholders. Les stakeholders, et pour chaque stakeholder, nous allons argumenter. Vous allez m'aider ici parce que je n'ai pas l'avantage d'avoir toutes les réponses. Mais le premier stakeholder ici, c'est l'enfant, n'est-ce pas? Parce que c'est l'enfant qui est concerné. Le deuxième stakeholder, ce sont les parents. Le troisième stakeholder, c'est le médecin. Le quatrième stakeholder, je crois que Dr. Rodrigue est revenu sur cela. Il a dit il faut prendre tous ceux qui représentent l'État. Alors, on va revenir sur l'État, mais entre parenthèses, je voulais déjà insister que l'État amène ce qu'on appelle par la loi. Maintenant, il faut, quand on fait l'éthique, il faut bien comprendre que l'éthique, la morale, c'est quelque chose c'est un peu ce qu'on a parlé dans les virtues théories. C'est quelque chose d'idéal. C'est le monde idéal. Le monde de la philosophie, le monde de la morale, le monde de l'éthique. Ça, c'est le monde idéal. Mais c'est un monde qui n'est pas toujours réel. Dans chaque État, dans chaque pays, on prend le monde idéal, le monde philosophique. On le ramène dans la réalité en intégrant ce que tout le monde accepte en termes de loi. Donc, la loi, c'est aussi un élément important. C'est un paquet important lorsqu'on est en train de faire l'éthique. Il faut toujours savoir, dans le pays où je suis, comment est-ce que ces gens traitent de l'avortement? Comment est-ce que ces gens traitent de la contraception chez les enfants? Comment est-ce que nous traitons de relations, par exemple, sexuelles de même, disons, tout ce qu'il y a comme les gay marriage et les autres? Comment est-ce que ces gens traitent ainsi de suite, tout ce qui est comme dilemme d'éthique? Donc, la loi, c'est vraiment un paquet qui vient s'imposer sur l'éthique. Toutes les lois ne sont pas toujours bonnes. On va même voir ça dans certains exemples. Quand on vous dit, par exemple, quand on vient vous dire que, et on a vu ça en Afrique du Sud, on a eu la loi sur qui disait « ne donnez pas les ARV, c'est toxique ». Il y avait le président Mbeki qui a fait ça. Mais il y a des médecins qui sont allés en prison simplement parce qu'ils disaient « les ARV sauvent des vies, il faut donner les ARV aux patients ». Et ils donnaient contre la loi ou les guidelines qui existaient à l'époque. Et ces médecins-là se sont retrouvés effectivement en prison, in trouble, pas parce qu'ils n'étaient pas en train de faire, ils faisaient ce qui était bon, ils faisaient de la bénéficence, mais ils étaient contre la loi. Donc, il faut toujours prendre en compte cet élément de l'État. Et l'État peut avoir plusieurs représentants. L'État peut être représenté par le superintendent à l'hôpital, le médecin directeur ou le médecin chef de staff. L'État peut être représenté par le Ethic Committee de l'hôpital, Dr. Rodrigue en a parlé. L'État peut être représenté par le Court of Law, le juge ou le magistrat. Donc, il faut toujours intégrer ces stakeholders-là. Le stakeholder qui suit, c'est le pasteur. Le pasteur, parce qu'ici nous parlons des beliefs et tout ça, il faut intégrer le pasteur. C'est un monsieur qu'il faut appeler, qu'il faut approcher, qu'il faut argumenter. Et enfin, il y a un dernier stakeholder, c'est la communauté au sens large. La communauté, généralement, est représentée par l'État, mais la communauté est aussi toujours là. Tout le monde va regarder, mais ici, je crois que c'est docteur Maketi, si je ne me trompe, qui a dit qu'il a eu un cas comme ça, d'un de ses, je crois, nièces qui est même décédée. Eh bien, il faut absolument que l'on puisse aussi intégrer la communauté au sens large. Donc, on vient d'avoir comme ça plus de 6 stakeholders. Maintenant, l'exercice qu'on va faire, c'est prendre chaque stakeholder et essayer d'argumenter. Et cet exercice, c'est un peu l'exercice difficile parce qu'il faut se mettre dans la peau de ce stakeholder sans parti pris. Et ça m'amène à une très grande parenthèse, la parenthèse des croyances. Parce qu'on doit parler des croyances quand on fait l'éthique. Croyance, belief.
Je vais vous faire une petite anecdote pour que vous compreniez ce que je vais dire, avant qu'on revienne sur le cas qu'on est en train de présenter. Et je crois que j'ai dit ça la fois passée. Si Docteur Maketi était né au Middle East, en Arabie Saoudite, dans un pays musulman, Docteur Maketi serait très bon dans la lecture du Coran, il serait très bon dans l'observation de tout ce qu'il y a dans les us et coutumes des musulmans. Mais Docteur Maketi ne serait pas en train de suivre les croyances, par exemple, des chrétiens ou des hindous de l'autre côté. Cet exemple de Docteur Maketi qui naît en Arabie Saoudite, mais qui en réalité aujourd'hui est congolais de père et de mère, c'est un bel exemple pour nous dire que le milieu dans lequel l'enfant ou l'individu évolue influence ses croyances. Parce que les croyances qu'on a dans les milieux des hindous, dans les milieux musulmans, dans les milieux à dominance chrétienne, ces croyances-là ne sont pas toujours les mêmes partout. Et donc, les croyances, c'est l'autre partie de la philosophie non rationnelle où on ne vous demande pas de démontrer quelque chose. On vous demande juste de croire. C'est un peu ce qu'on retrouve dans cet exemple d'aujourd'hui, l'exemple des témoins de Jéhovah. Ils vont vous dire, nous savons que l'âme de l'individu reste dans le sang et donc on ne peut pas comme ça passer l'âme de quelqu'un à d'autres individus parce que ça va créer la confusion le jour où il va ressusciter, n'est-ce pas, lorsque le Christ va arriver. Et donc c'est très capital. Ça, les croyances, c'est vraiment la base de tout. La même chose, si vous naissez dans une communauté où vos deux parents sont de même sexe, c'est tout ce que vous avez vu toute votre vie. Mes deux parents, j'ai été adopté, mes deux parents sont de même sexe. Mais pour vous, cette croyance-là, devient votre normalité. Et pour quelqu'un d'autre qui a vécu dans une société où, n'est-ce pas, les parents sont des sexes différents, la normalité pour cette autre personne-là sera celle-là. Et donc, la personne qui viendrait d'une société X vers la société Y sera choquée des us et coutumes de cette société, alors que c'est quelque chose de tout à fait normal de l'autre côté. Alors, pourquoi est-ce que je donne tous ces exemples sur la croyance? C'est simple, c'est parce qu'en tant que médecin, et on va voir ça lorsqu'on va continuer cette discussion, en tant que médecin, nous sommes appelés à soigner des patients sans tenir compte de leur race, de leur religion, de leur sexe, de leur appartenance ethnique, de leur croyance. On doit faire fi de la personne humaine. On doit regarder, au contraire, on doit respecter les croyances de cette personne. On verra que ça va influencer la transfusion ou la non-transfusion de cet enfant. On doit regarder l'être humain comme une entité, c'est vrai, autonome, une entité biologique aussi, mais on ne doit pas les juger par rapport à ses choix. Et l'anecdote, c'est quoi? On dit toujours aux médecins, lorsque vous arrivez dans votre salle de consultation, en mettant votre blouse blanche, vous avez caché tout ce que vous croyez. Vous êtes maintenant neutre. La couleur blanche, c'est une couleur neutre. C'est-à-dire, toutes ces personnes qui viennent à vous, vous n'allez pas les juger, vous n'allez pas prendre parti. Vous n'avez même pas vous-même des croyances. Si je crois au mariage de même sexe, mais pendant mes consultations, je ne peux plus donner mes opinions sur cet aspect des choses-là. Et donc, on doit s'élever à ces niveaux-là lorsqu'on est médecin. C'est ça l'effort qu'on doit faire. Alors, je reviens maintenant sur notre cas pour dire, maintenant que nous avons identifié les stakeholders, et que nous sommes prêts à mettre notre blouse blanche, allons-y dans les arguments.
par rapport à chaque stakeholder. Et au même moment que nous mettons les arguments, nous allons débattre et raisonner. Alors, prenons le premier stakeholder qui est l'enfant. Alors, je vais faire cet exercice seul pour qu'on aille vite, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. On a beaucoup d'autres choses à faire juste après cet exercice. L'enfant, comme on le sait, est ses vrais mineurs. Je commence les arguments. Il n'a que 3 ans, donc ça veut dire que son autonomie dépend des parents. Mais on sait aussi que l'enfant a quand même des droits. L'enfant ne peut pas être sujet à une fin tragique simplement parce que ses parents ont cru à être témoins de Jéhovah et donc ils ne croient pas à la transfusion. Ça, c'est aussi un argument. Donc, cet enfant, quelque part, a aussi droit à la vie et à tout ce qui peut sauver sa vie. Ici, l'enfant, si on lui donnait la parole, va dire, n'y a-t-il pas d'autre option pour me sauver? Est-ce qu'on ne peut, par exemple, pas utiliser d'autres produits non sanguins pour me sauver? S'il en existait, on l'utiliserait. Et vous verrez même dans les grands livres de référence, les bouclettes d'éthique que l'on va passer en revue très bientôt, on vous dit, chaque fois qu'il y a un problème d'éthique à résoudre, amener les options, les autres options, et donner les options aux malades. Donc, donner à ses parents les options, mais si on ne transfuse pas, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Alors, l'enfant a aussi un autre élément. L'enfant va dire, ben, écoutez, vous n'allez pas me laisser mourir. Maintenant, si vous me transfusez et qu'après la transfusion, vous me laissez partir avec ses parents, est-ce que je serai toujours cet enfant-là de ses parents? Parce que ses parents croient que dès que j'ai reçu le sang d'une autre personne, je ne suis plus cet enfant-là 100% conçu par eux. Donc, c'est aussi un argument en défaveur de l'enfant dans le futur, mais qu'il faut intégrer dans sa réflexion. Ça, c'est quand on se met dans la peau de l'enfant. Maintenant, passons dans la peau des parents. On a déjà donné un certain nombre d'arguments. Ils vont dire, ben, c'est nous qui avons l'autonomie de cet enfant, c'est à nous de décider. Et nous croyons qu'il ne faut pas injecter un autre âme à notre enfant. L'enfant doit rester donc 100%. Peu importe si cet enfant meurt parce qu'il n'a pas reçu le sang, de toute manière, ce sera un enfant qui sera pur d'âme et donc qui va hériter du royaume des cieux, qui pour nous est d'ailleurs l'élément le plus important. Et si jamais vous transfusez cet enfant, vous devez garder cet enfant pour vous et l'élever. Nous ne serons pas intégrés à élever un enfant qui n'est plus notre enfant à 100%. Donc, les parents viendront avec ces arguments-là. Le troisième, c'est le médecin. Le médecin va dire, écoutez, moi, je respecte votre autonomie, mais de l'autre côté, maintenant, j'ai des difficultés parce que je dois absolument transfuser. Je ne peux pas laisser cet enfant mourir. Bref, moi, je dois maintenant tirer vers moi tous les arguments ou écouter tout le monde. C'est ce que le médecin dira. Et il dit, à la fin, moi, en tant que médecin, je vais appliquer une conclusion qui viendra de tout ce que je ferai comme exercice ici. Le prochain qui va intervenir, ce sera l'État. L'État intervient, si vous vous rappelez, je vous l'ai dit, avec les lois. Et quelles sont les lois qui s'appliquent à la situation que nous sommes en train de résoudre? Première loi, c'est le Children Act. Je crois qu'au cours de ces séances de juillet, nous allons passer en revue le Children Act parce que ça intervient ici et là. Mais le Children Act dit ceci en Afrique du Sud. En dessous de 5 ans, l'enfant est la propriété de l'État. Ça veut dire, en dessous de 5 ans, les parents ne sont qu'en train de prendre soin d'une propriété de l'État. C'est ainsi qu'en Afrique du Sud, un parent qui ne travaille pas doit aller demander, par exemple, les grants, le child care grant à l'État pour dire, moi, je ne sais pas nourrir cet enfant, donnez-moi de l'argent pour que je puisse prendre soin de l'enfant. Ça, c'est un exemple. Un enfant en dessous de 5 ans peut se pointer dans n'importe quel hôpital public, privé. De manière automatique, cet enfant doit être pris en charge pour ses soins. De la même manière, pour tout ce qui est donc des bénéfices sociaux divers, c'est l'État qui prend en charge l'enfant. Et donc, c'est l'État qui décide de ce qu'il fait. Donc, en réalité, même si les parents sont là
avec un certain degré d'autonomie, mais c'est limité. En réalité, ils sont en train de représenter l'État qui est au-dessus dans la décision de l'avenir de cet enfant. Donc, ici, c'est un premier argument très important. Et dans ces Children Act, on dit il faut toujours, il y a tout un article qui est résumé d'ailleurs en une seule phrase. Pour tout ce que vous ferez, et je crois qu'on va, quand on va faire ces Children Act, on va vous le montrer, c'est une seule phrase pour montrer comment cette section-là est très puissante. On dit, peu importe tout ce que vous faites avec les enfants, il faut que ce que vous êtes en train de faire pour un enfant puisse le bénéficier d'abord. S'il n'y a pas de bénéfice pour l'enfant, ne le faites pas. Ça, c'est un élément très important. Je crois que c'est section 13 où on va certainement le retrouver. Donc, l'argument qu'on va tirer ici, c'est qu'en tant qu'État, en tant que state, quand vous entrez dans un argument où les parents refusent de transfuser, le médecin qui va regarder le stakeholder state va dire, de toutes les manières, peu importe ce qu'on fera, puisque cet enfant a moins de 5 ans, moi, médecin, j'agirai par rapport au Children Act en donnant la bénéficence, en faisant des avantages dans les actions en faveur de cet enfant. Très important. Quatrième ou cinquième stakeholder, c'est le pasteur. Le pasteur va venir et dire, bon, écoutez, moi, j'enseigne la religion. Écoutez, il va un peu aller dans le sens des parents. Et peut-être qu'on ne doit même pas perdre le temps avec celui-là. Et puis, si je peux revenir sur les lois, on dit toujours, quand il y a un problème comme ça, je crois que Dr. Rodrigue avait dit, mais allez-y dans les ethics committees de l'hôpital ou allez-y dans les code of law. Donc, le médecin a aussi un recours, c'est de dire, bon, écoutez, est-ce que je ne peux pas recourir au code of law? C'est-à-dire, qui va représenter l'État ici? Il faut maintenant voir si c'est pendant la journée. Il y a toujours un magistrat dans chaque district qui est là pour faire ce qu'on appelle les décisions de justice d'urgence. Donc, il faut appeler le bureau local de la magistrature et dire, j'ai un cas sérieux ici, un enfant, les parents ne veulent pas de la transfusion. Qu'est-ce que vous prenez comme décision de justice? Le magistrat va prendre une décision de justice en bonne et due forme pour dire, transfuser. Selon la loi, l'enfant doit d'abord bénéficier. Mais vous voyez, ça, c'est très succinct. Il n'entre pas dans les détails comme qu'est-ce qui va arriver avec l'enfant. Les parents ne veulent plus de cet enfant, ils vont le rejeter. Ça nous amène maintenant à la partie finale de notre raisonnement. C'est le regroupement de tous ces arguments. Comment est-ce qu'on va regrouper ces arguments? Rappelez-vous, il est clair dans ces débats que selon la loi sud-africaine, il faut transfuser. C'est clair, il n'y a même pas de débat. Seulement qu'il faut suivre des étapes pour que cette transfusion soit couverte par une décision de justice. Si c'est la nuit, vous n'avez pas accès au magistrat, celui qui représente l'État, c'est le superintendent, c'est le médecin directeur. Donc, il faut l'appeler pour qu'il prenne cette décision. Et après, le matin, le médecin directeur, généralement, écrit une note de justice, demande une signature du magistrat. Il est aussi clair, de par les arguments qu'on vient de montrer, qu'il faut que la transfusion va nous amener des problèmes. Cet enfant sera certainement rejeté. Donc, il y a un aspect émotionnel qu'on vient d'introduire, il y a un aspect subjectif, il y a un aspect social, et ça demande que, peu importe quand on va transfuser cet enfant, il faut qu'en tant que médecin, qu'on puisse prévoir comment est-ce qu'on va gérer les after transfusion. Donc, après la transfusion, il faut certainement faire introduire le pasteur, le social worker, le psychologue, parce que cet enfant peut commencer à être abusé à la maison parce qu'il a reçu une transfusion, il peut être rejeté par la communauté. Peut-être qu'il faudra même aider cet enfant à retrouver d'autres parents si cela arrive. Donc, le rôle du médecin ne sera pas seulement de transfuser, mais de suivre si l'enfant est toujours en sécurité après. Ça, c'est un élément très important. Que l'on retrouve maintenant dans la ligne de cette argumentation-là. Le troisième élément, pour minimiser que l'enfant ne soit donc rejeté et tout cela, il faut, dans cette décision de transfuser, il faut expliquer aux parents
Il faut dire, chers parents, votre enfant a 3 ans. Malheureusement, votre enfant est une propriété de l'État sud-africain, selon la loi. Et selon la loi, avec les démarches que j'ai entreprises, je suis obligé de transfuser. Ce n'est pas à vous de prendre la décision. Mais comprenez que cet enfant, nous respectons vos croyances. Comprenez que nous aurons besoin pour la suite des soins de cet enfant. Il faut commencer un certain counseling avec ces parents-là. Et il faut introduire donc ce troisième élément de counseling. Il faut introduire la soupape de sécurité, de social worker qui va suivre l'enfant dans une semaine, dans un mois, les psychologistes. Il faut suivre la loi sud-africaine. Ça nous amène à la conclusion pour dire, si nous utilisons le framework de ethical reasoning tel que identifié ici avec les 5 points, vous comprenez que les décisions qu'on avait prises initialement quand on a commencé ces cas, docteur Oshua nous avait dit, moi, c'est l'autonomie, je transfuse, c'est très bon. Docteur Maketi a dit, non, moi, docteur Oshua nous a dit, moi, c'est l'autonomie, la décision vient des parents, je ne transfuse pas. Docteur Maketi a dit, non, moi, c'est beneficence, je transfuse. Docteur Rodrigue est venu, a dit non, il faut faire intervenir aussi l'État, et ainsi de suite. Bref, toutes ces décisions-là sont bonnes, mais elles sont, je dirais, un peu entre parenthèses, incomplètes. Et ça, c'est ce qui amène la beauté de ethical reasoning, c'est que votre réponse n'est plus une réponse seulement qui s'attarde aux aspects des principes éthiques, mais c'est une réponse qui commence à intégrer d'autres éléments de réflexion, des éléments subjectifs, des éléments sociaux, des éléments, n'est-ce pas, étatiques, la loi, et ainsi de suite. Alors, ça, c'est la beauté de ethical reasoning, et ça nous amène donc à finir cette partie et à passer à la deuxième partie de notre présentation qui est là. Mais avant cela, je vous lance un autre cas. Donc ça, c'est ce qu'on a fait. Je vous lance un autre cas. Peut-être que vous allez... Je vais écouter quelques commentaires ici. Voilà, le cas est là. Case 2. The 32-year-old patient is admitted in your department for septic abortion. She consulted earlier and was refused abortion because of a gestational age of 16 weeks. She disclosed, and you are aware of an illegal abortion clinic in your community. La question qu'on te pose, are you going to report your patient and the illegal practice? Quelle est la loi? Qu'est-ce que dit la loi? Qu'est-ce que le médecin doit faire? Est-ce que tu dois report? How do you go about this? Because this is another dilemma. Est-ce qu'on peut écouter quelques commentaires par rapport à ça? Qui se jette dans l'eau et nous prend ces cas d'éthique de septic abortion in your clinic? Docteur Oshua est où? Parce qu'il faut que j'ai une main. Docteur Valérie. Docteur Valérie, j'ouvre ton micro. Bonsoir, docteur. Bonsoir, docteur. De temps, même dans la prochaine séance, hein, je voulais intervenir en tant que médecin et en tant que témoin de Jéhovah sur le cas qu'on a vu, le premier cas que nous avons vu. Hein. Mais compte tenu du temps, je préfère peut-être intervenir la fois prochaine sur... Je crois qu'on a besoin de ton opinion. Certainement que tu vas revenir sur les autres options, n'est-ce pas, à observer, que je n'ai peut-être pas commenté. Vas-y, docteur Valérie, on a besoin d'écouter un peu. OK. En général, nous avons ce que nous, en tant que témoins de Jéhovah, nous avons ce qu'on appelle le comité hospitalier. Ce comité hospitalier aide les témoins de Jéhovah dans le cas que vous venez de soulever, au cas où l'enfant ne peut pas prendre une décision, au cas où l'enfant ne peut pas parler. Alors, avec ce comité hospitalier, c'est bien relié à tous les hôpitaux, que ce soit en Afrique du Sud ou pareil, ou ailleurs dans le monde.
Ce comité hospitalier a déjà bien travaillé avec les autorités de l'État. Donc, chaque fois quand nous avons un cas de transfusion, que ce soit l'enfant, que ce soit un adulte qui est inconscient, par exemple, lors d'un accident, je suis un adulte et je ne peux pas parler, qui prendra la décision au cas où il y a la transfusion? Pour nous, les adultes, nous avons une carte qu'on appelle toujours, c'est bien écrit en grand, signé, et il y a le stamp de l'État qu'on écrit, pas de transfusion, pas de sang. Donc, nous nous promenons toujours avec cette carte dans nos poches ou bien dans nos mallettes. Au cas où nous arrivons à une telle circonstance, le médecin peut lire notre carte et il respecte notre foi. Pour le comité hospitalier, s'appelle, entre guillemets, ça s'appelle Advance Directives. Donc, c'est un document, on va parler de ça. C'est un document que tout le monde peut signer en avance pour dire si je me retrouve dans telle circonstance, voilà comment je vais être traité. Et voilà. Ça doit être respecté, très important. Advance Directive. OK, continuez, docteur. Oui. OK, maintenant, pour les cas des enfants, en tant que témoin de Jéhovah, ce sont les parents qui prennent la décision des enfants et c'est bien accepté par les autorités de l'État. J'ai des bouclettes ici avec moi que je vais vous remettre, docteur Judy, que vous pouvez mettre à la disposition de notre groupe. Et chacun pourra lire. Ces documents ont été écrits en Afrique du Sud en 2016. Pour les patients qui refusent le sang, cas des témoins de Jéhovah. Donc, il y a eu, comment est-ce que vous appelez, concertation entre les autorités de l'État, entre les médecins et entre les témoins de Jéhovah. Et nous avons trouvé qu'il y a aussi des solutions palliatives, telles que les hémacelles, autres produits qui ne contiennent pas des portions de sang. Et c'est bien accepté dans tous les hôpitaux. Donc, le médecin ne se pose plus pour dire que non, c'est l'enfant qui bénéficie. Et alors, je dois transfuser. Et on a même traité la responsabilité de médecin au cas où le médecin refuse de traiter l'enfant puisque les parents ont refusé la transfusion. Comme vous avez refusé la transfusion, je ne touche pas votre enfant. Ces cas-là sont traités et le médecin peut être pour ça. Donc, j'ai ce document-là de deux fils écrits en Afrique du Sud. Je vais vous remettre. Une minute, ça s'appelle « Withholding treatment, it is misconduct ». Donc, quand vous menacez votre patient, tu as donné l'exemple ici, mais il y a un autre exemple. Un patient refuse de se faire amputer. Vous dites, si vous refusez de vous faire amputer, quittez mon hôpital ou quittez mon département. Ça s'appelle withholding treatment ou withdrawing treatment. Et c'est tout un bouclette. Hein? Je crois que c'est un bouclette qui ont eu à lire. C'est tout un bouclette et c'est un misconduct. C'est puni. C'est unethical. Donc, quand un patient, pour des raisons d'autonomie, dit « je ne veux pas tel traitement », en tant que médecin, vous devez donner les alternatives, vous devez continuer à prendre soin. Si vous n'êtes pas confortable avec le traitement de ce patient-là, il faut dûment, de manière correcte, transférer à un autre collègue. Continuez, docteur. OK, pour terminer, pour que je sois un peu trop bête, le plus grand dilemme, le plus grand problème que nous avons toujours eu, c'est le cas où un parent est témoin de Jéhovah et l'autre n'est pas témoin de Jéhovah. Et l'enfant doit être transfusé. Par exemple, la maman qui dit que moi, je suis témoin de Jéhovah, on ne transfuse pas mon enfant. Le papa qui dit que non, moi, je ne suis pas témoin de Jéhovah, on transfuse l'enfant. C'est là où l'État intervient pour prendre une décision. Donc, je veux vous transmettre ces bouclettes qui peuvent beaucoup nous aider à prendre merci aussi beaucoup. Les témoins de Jéhovah. J'en ai quatre, je vais vous remettre ça, docteur Judy. Très intéressant, merci. C'était très nutritif. Ça nous a permis de jongler. Au fait, je n'ai pas pris cet aspect. Merci beaucoup. Vous avez vraiment joué le rôle du pasteur. Vous avez même parlé des comités hospitaliers. Nous, dans les stakeholders, on a appelé cela le pasteur. On a dit, il faut toujours parler au pasteur. Donc, et c'est en parlant au pasteur que vous aurez toutes les informations que Dr Valérie vient de nous donner. Il va dire, écoutez, moi, je suis le pasteur, voilà comment on approche. Et généralement, les pasteurs, parce qu'ils sont prêts à... Ils ont déjà préparé ces gens, ils vont vous donner beaucoup d'informations. Ils vont même vous enseigner comment utiliser les alternatifs. Et évidemment, c'est toutes ces informations-là qu'il faut intégrer donc, dans la décision. OK. Alors, est-ce qu'on peut aussi avoir quelques réflexions autour de ce cas ici? Qu'est-ce que vous faites de votre patient qui vient avec septic abortion à 16 ans
16 semaines. Je vais ouvrir le micro du docteur Mayombo. Allez-y, docteur. OK. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Après avoir compris le problème, je vais l'aborder. Je suis dans la tenue de médecin. Je dois donner, parce qu'on a parlé de septic abortion ici, je comprends que la vie de ma patiente est d'abord en danger. La patiente des soins appropriés de la malade et de la mettre hors report. Dois-je aller report? Est-ce que la loi sud-africaine dit par rapport à la blockchain? Je crois que par rapport à ceci, l'avortement est légalisé en Afrique du Sud, mais je crois, si je ne me trompe pas, national age. Est-ce que à 16 semaines, l'avortement est légalisé en Afrique du Sud? Là, je dois encore lire pour avoir des précisions. Moi, je ne me substitue pas à l'État ou bien à un agent de justice. Je sauve la vie de ma patiente. Je mets hors danger, je ne porte pas à la police. OK, docteur, merci. Allô? Pour ton opinion. Oui, on t'a bien suivi. Donc, docteur Mayombo ne va pas report. Docteur Mayombo se concentre à traiter le septic abortion. Écoutons ce que docteur Ochoa va dire. Après avoir suivi donc le Ethical Reasoning Framework. Vas-y, docteur. D'accord, merci. Oui, merci beaucoup, docteur, pour la parole. Je pense que la question dit que je refuse d'aider la patiente, mais elle part faire cette abortion ailleurs. Dois-je accuser la patiente et la... et l'institution ou pas, parce que je pense que c'était comme ça le cas. Le cas ne s'était pas arrêté, juste qu'elle est venue auprès de moi. Vu qu'elle est au-delà des 12 semaines et que c'est illégal, et qu'elle part le faire ailleurs, personnellement, pour moi, je ne vais pas la riposter. Parce que c'est pas ma responsabilité de la riposter, parce qu'elle est venue chez moi, j'ai dit que je ne suis pas mesure d'assurer les soins, et elle est allée trouver les soins ailleurs. Je pense que c'est son droit d'aller trouver des soins ailleurs. Mais si elle revient chez moi, par exemple, pour un autre problème, peut-être un sepsis après cette abortion et tout ça, là, je dois mettre dans le cas pour montrer qu'elle a fait un avortement criminel ailleurs dans ses antécédents, juste pour me couvrir au cas où ça pouvait backlash chez moi. C'est un peu ça. OK. OK, merci, docteur Ochoa. Avant de passer à docteur Lubuma, j'ai fait deux commentaires. Le premier commentaire, je crois qu'il y a ici un grand besoin de connaître ce que dit la loi. Docteur Mayombo nous a indirectement dit qu'il ne connaissait pas exactement ce que dit la loi. Vous voyez l'importance de connaître les lois en matière d'avortement, mais il y a aussi tout ce qu'on appelle guidelines sur qu'est-ce qu'il faut rapporter à la police. Il y a des cas médico-légaux qu'il faut absolument et amener à la police sans qu'on vous le demande. On va en parler. Ces cas-là, si vous n'amenez pas à la police, docteur, vous vous retrouvez en prison en Afrique du Sud. Donc, on va faire la liste de tous ces cas-là médico-légaux où vous êtes obligé d'appeler le policier et de dire « je suis en train de soigner tel cas ». Donc, c'est clair, il faut que ça soit clair quels cas doivent être rapporter à la police, quel cas il ne faut pas rapporter. Il faut connaître la loi sur l'avortement. Et puis, il y a un élément, je vais jeter sur le feu avant que docteur Lubuma puisse parler. Dans le cas que nous sommes en train de traiter, si vous regardez bien, c'est pour ça que
Docteur Rocha a bien commencé. Il faut toujours, rappelez-vous de notre framework, il faut toujours commencer par la première étape qui consiste à bien clarifier le problème. Quel est le problème que j'ai ici? Pardon, la deuxième étape, hein, identifier le problème. Le problème, on vous l'a donné, mais il faut identifier. Si vous n'identifiez pas le problème, vous ne saurez pas le résoudre. Dans cet énoncé ici, la question qu'on pose, c'est la question des third party in danger. Il y a une troisième personne qui est mise en danger. Ça, c'est un. Parce qu'il y a des gens qui font des avortements qui aboutissent à des avortements sceptiques dans votre communauté et vous, vous êtes au courant, docteur. Qu'est-ce que vous faites avec une telle, avec de tels gens? Est-ce que vous regardez de l'autre côté ou bien les personnes qui sont, la communauté qui est mise en danger par cette clinique-là, vous devez faire quelque chose. Je ne connais pas encore la réponse, je ne vais pas encore le dire, je voudrais qu'on puisse tous réfléchir sur cet élément. Donc, il faut bien identifier le dilemme, parce que si le dilemme et la question n'est pas bien cernée, vous risquez de donner beaucoup de théories, mais vous ne répondez pas à la question qu'on vous a posée. Très important. Et rappelez-vous qu'il y a les third party in danger, qui est un principe d'éthique. On va en parler lorsqu'on va parler, on va brosser le disclosure. Disclosure avec HIV, rappelez-vous. Vous avez votre patient qui est devant vous, qui est maintenant diagnostiqué HIV et qui ne veut pas dire à son partenaire. Ça, c'est un cas d'éthique très fréquent. Il y a tout un bouclet sur ça. Qu'est-ce que vous faites, docteur? Parce que maintenant, il y a quelqu'un qui est en danger. Et il y a un cas d'éthique qui est bien connu, le fameux cas de l'étudiant qui avait consulté le psychologue et qui a déclaré à son psychologue, quand je quitte votre consultation, je vais aller tuer ma girlfriend. Le psychologue était obligé de break la confidentialité, d'appeler la police et de dire, j'ai en face de moi un de mes patients qui va mettre une troisième personne qui n'est pas ici en danger. C'est pour ça que je me suis décidé de briser la confidentialité. C'est un cas, je crois, qui est arrivé aux États-Unis, mais c'est le cas qui a ouvert la discussion sur « When do you breach confidentiality ?» Quand est-ce que tu dis « Maintenant, le secret médical, je vais briser ?» Parce que cette patiente qui est devant nous, l'autonomie, dans l'autonomie, on va parler parmi les 13 principes de l'éthique, il y a la confidentialité qui est un grand principe. Et ce principe-là, on dit qu'il est même la base du trust, de la confiance entre médecin et malade. Alors, est-ce que vous allez comme ça aller contre un principe en disant, oh, donc toi, tu as eu ton avortement dans une clinique périphérique? Moi, je vais aller dire à tout le monde, à la communauté, à la police, que toi, tu es allé dans cette clinique et je vais rapporter la clinique. Bon, c'est juste des réflexions. Prenons docteur Lubuma maintenant pour l'écouter. Docteur, okay. Votre micro est ouvert. Merci. Bonsoir à tout le monde. Bonsoir, docteur. Moi je vais aborder le problème de cette dame de cette manière ici. D'abord, c'est une dame qui vient avec un septic abortion. Donc, c'est d'abord un cas qu'il faut prendre au sérieux. Il faut arriver à sauver sa vie, parce que si on ne sauve pas, on va la perdre, ce qui fera que le rôle du médecin qui est de sauver des vies ne sera pas respecté. Alors, cette dame, on doit aussi respecter son droit. Elle a droit à human rights. D'abord, elle est venue, on dit là, she consulted earlier and was refused abortion because of the gestation age was 16 weeks. Mais quand on voit les lois sud-africaines, donc là, je parle là où on parlait de regulation or principle or guideline, la loi sud-africaine dit si vous avez une grossesse qui est au deuxième trimestre, Il y a des éléments qu'il faut respecter pour arriver à faire cette abortion. Donc, il faut voir est-ce que la vie de la femme enceinte,
sera en danger because of la grossesse, est-ce que l'enfant ou le fœtus qui est en train d'évoluer, ça sera un enfant, un fœtus qui ne va pas poser de problèmes dans l'avenir? Est-ce que du point de vue socio-économique, la vie de cette maman, la grossesse-là, ne va pas mettre en danger l'aspect socio-économique de la femme? Donc, je vais considérer tous ces aspects-là pour prendre ma décision. Et enfin, l'autre élément que je vais prendre, comme c'est un cas d'avortement, il faut absolument reporter. Mais on dit qu'on n'est pas des policiers, mais la loi dit il faut reporter des choses que vous estimez qui mettent la vie de votre communauté en danger. Donc même pour cet avortement, s'il faut que j'aille faire l'avortement, je vais reporter que non, il y a une femme qui est venue, mais on est allé terminer la grossesse parce que sa vie était en danger ou parce que la vie du fœtus mettait la vie de la femme en danger. Et si je suis d'une religion qui n'autorise pas, maybe l'île ne me permet pas de faire cet avortement, je peux orienter cette dame à un collègue que je connais qui peut aider la femme ici. Donc, c'est dans ce sens-là que je veux aborder ça. Merci, docteur. Très pertinent. J'aime tout ce que tu as dit. Est-ce qu'on a un autre collègue qui veut intervenir? Non, il n'y a pas de... OK, donc, vous constatez avec moi que l'utilisation du framework est très important. Ça vous donne beaucoup d'arguments. Dans le cas que nous sommes en train de traiter, c'est vrai, et j'aime l'approche de tous ceux qui ont intervenu, ils ont tous d'abord reconnu que nous sommes dans un cas qui n'est pas commun. Cette personne est d'abord en danger. Et donc, il faut lui donner ce premier principe de bénéficence. Donc, reporter ces patients ou la clinique illégale n'est même pas une priorité ici. Il faut d'abord soigner. Ça, c'est très important et ça doit transparaître dans la réponse. Ensuite, j'ai aimé, Dr Lubuma nous a dit, il y a la loi sur les avortements, deuxième trimestre. Mais qu'est-ce que deuxième trimestre dit? Deuxième trimestre dit certainement qu'il faut qu'il y ait des raisons socio-économiques, si vous vous rappelez de ces paragraphes-là. Il faut pour des raisons socio-économiques. Donc, pour des raisons socio-économiques, si vous avez cet argument-là, vous pouvez donc au deuxième trimestre avoir un avortement en Afrique du Sud. Au premier trimestre, c'est la femme qui décide sous sa discrétion. Évidemment, au deuxième trimestre, il y a d'autres conditions comme avoir deux Elf-Keweka. Ainsi de suite. Ça, c'est aussi OK. Ici, est-ce que cette patiente qui est venue à 16 semaines était bien cancelée sur ses droits, par exemple, à avoir l'avortement? Ça, on ne sait pas. Maintenant, elle est revenue avec un septic abortion et vous découvrez avec septic abortion que la communauté est en danger. La question maintenant, c'est est-ce que cette clinique d'avortement illégal qui vous amène les septic abortion, est-ce que la loi sud-africaine vous oblige à rapporter ces genres de méfaits? Ça, c'est la grande question. Mais de l'autre côté, vous avez la confidentialité, parce que si vous rapportez cela, vous risquez de faire juger votre patiente, n'est-ce pas? Parce que l'État peut dire, non, il a fait un avortement au deuxième trimestre, il doit venir aux côtes parce qu'il a ses criminal offense, il doit justifier pourquoi il a fait un avortement au deuxième trimestre. Bien sûr, il va, c'est l'eau et avant aller avec les arguments socio-économiques pour dire, de manière socio-économique, elle avait droit et ainsi de suite, patati patata. Mais vous voyez déjà la pression que l'on met sur le pauvre malade d'un côté, mais aussi le breach of confidentiality qu'on vient d'introduire dans ce malade. Il y a un breach of confidentiality. Et
je ne prendrai pas des cas extrêmes, mais je prends un autre cas où il faut obligatoirement dire à l'État. Je vous ai déjà donné un certain nombre de cas. La troisième, ou des third parties in danger, vous avez un patient qui vous dit, quand je sors de votre consultation, je vais aller assassiner quelqu'un parce que je me rends compte qu'avec la psychothérapie que vous me donnez, le cause de mes malheurs, c'est ma girlfriend, c'est mon enfant, c'est mon épouse, c'est... Bref, il y a une personne qui est en danger en dehors là. Vous devez absolument, quand il y a third party in danger, report. Mais il faut balancer votre report. Et en Afrique du Sud, parmi les obligations du médecin à dire à l'État qu'il y a un problème, il y a les gunshots. Si vous soignez un patient qui vient avec gunshots, même si vous expliquez que, écoutez, j'étais en train de nettoyer mon arme et puis je me suis tiré moi-même. Docteur, si vous ne dites pas ça à la police, vous vous irez en prison. Donc, si on découvre qu'il y a eu gunshot quelque part et que vous étiez le médecin et que dans vos notes, vous n'avez pas enregistré le nom de la station de police que vous avez appelée, quand, pour une raison ou une autre, ce gunshot est investigué et on se rend compte que non, en réalité, il ne s'était pas tiré sur lui-même, mais c'est parce qu'il menaçait sa femme, partner, intimate partner violence, domestic violence, et puis il y a eu cette arme à feu, et puis il s'est blessé, il est venu chez vous. Comme vous n'avez pas reporté un gunshot wound à la police, c'est vous qui êtes dedans. Ça, c'est le premier. Le deuxième, ce sont les cas d'abuse. Children abuse, elderly abuse. Quand une personne âgée est abusée, quand un enfant est abusé, ici, la loi vous dit ceci. Quand vous suspectez seulement, on ne vous demande pas les évidences. Quand vous suspectez, c'est-à-dire votre feeling vous dit, comment est-ce qu'un enfant peut venir avec multiple fractures? Il n'était pas dans un motovéhicule accident, il vient de la maison et puis il a une fracture au fémur, il a une fracture de l'humérus. Vous suspectez que peut-être cet enfant est maltraité, on l'a tapé, cet enfant d'une année et demie ou de deux ans, comment est-ce qu'il peut avoir multiple fractures? Ou bien comment est-ce qu'il peut avoir, il y a eu ce cas ici intéressant, un enfant qui est arrivé avec burn, il s'est brûlé jusqu'au niveau des genoux et c'était les deux genoux au même niveau. Comment est-ce qu'un enfant peut, et la maman a dit non, il est tombé dans de l'eau chaude. On ne peut pas tomber dans de l'eau chaude et avoir seulement les deux pieds au même niveau avec les marques de brûlure. Donc, les brûlures, comme on dirait, en chaussettes. Mais cet enfant, finalement, quand on a investigué, c'est la maman qui a pris l'enfant et qui a mis dans l'eau chaude pour punir l'enfant. Ça, c'est un child abuse. Donc, quand le médecin voit des signes d'abus, même quand il suspecte seulement, il y a une forme de justice qu'il faut signer. Je crois que c'est la forme 42 de justice. C'est comme les G88, qui est une forme aussi pour les assaults. Donc, il faut remplir le forme là et il faut l'envoyer chez son social worker qui est avec lui à l'hôpital ou l'envoyer directement à la police. Parce que vous avez juste suspecté un children or elderly abuse. À partir de 65 ans jusqu'au-dessus, s'il y a abus, vous suspectez abus ou neglect, même quand il y a négligence. Vous avez un vieil homme qui reçoit à 65 ans en Afrique du Sud, les vieillards reçoivent leur grant, 1700 rand pour survivre. Mais vous voyez quelqu'un qui est négligé, qui ne mange pas, mal nourri, et puis il a des enfants autour qui certainement le négligent. Il faut reporter ça. Si vous ne reportez pas les children et les elderly abuse or neglect, vous êtes dedans. Troisième, les cas de rape. Tout cas de rape, surtout quand c'est un, comme on dit, les statutory rape, les rape avant 16 ans, ou même le rape en général, il faut reporter les cas de rape en Afrique du Sud. Ce sont les trois cas où, quand vous rencontrez cela en tant que médecin, vous ne pouvez pas regarder de l'autre côté. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les autres cas
comme celui que nous sommes en train de traiter. Si vous vous retrouvez dans un cas qui est en dilemme, vous devez utiliser votre discrétion. Le cas ici, c'est vraiment le médecin qui utilise sa discrétion. C'est là que vous avez maintenant entre la confidentialité, qui est notre cinquième principe d'éthique, et breach of confidentiality against reporting a third party in danger. Est-ce que vous allez soigner votre patient un peu comme Dr. Oshua dit, moi, je ne vais pas m'occuper de commencer à aller à la police. Mais Dr. Oshua a totalement raison. Mais celui qui va aussi report, il faut maintenant édulcorer. Il faut savoir comment report sans, par exemple, que votre patient soit involve. Ça, c'est une possibilité. Vous n'allez pas aller à la police dire patient X, Y, Z, ID number, STEL, a fait un septic abortion. Je suis au courant qu'il existe un illégal abortion clinique dans la communauté qui met la communauté en danger. Vous pouvez garder l'anonymat de tout de votre patient, de comment vous avez eu ces informations, mais vous donnez l'information à la police. Ça, c'est une autre possibilité dans la conclusion donc, de pareil cas. Parce que vous aurez alors, en tant que médecin, fait un acte d'éthique qui consiste à protéger des third parties. On va faire un autre cas quand on avance avec le HIV, qui est aussi complexe que le cas ici de faire de report illegal practice of abortion. Donc, je crois que ce cas ici nous a aussi bénéficié, n'est-ce pas? On va alors commencer à atterrir en passant à autre chose. Ça c'était un peu les résumés. Alors, voilà un autre cas. Case 3. 69, on ne va pas résoudre ces cas, je vous le donne seulement. Chacun va réfléchir là où il est. 69 est female requesting that the pacemaker be removed. But the family oppose. This patient is diabetic, is stage 4, 5 chronic kidney disease. What are you going to do as a doctor? Ça, c'est un beau cas. Alors, ici, si je me rappelle des arguments qu'on a eu à faire, les gens ont dit bah, peut-être qu'elle est démentique. Est-ce qu'il y a autonomie? Est-ce que cette patiente ici a la capacité à décider pour elle-même? Ça nous amène à un principe important d'autonomie. L'autonomie implique qu'on soit capable. Et on verra ça avec les enfants qui ont moins de 12 ans. On va dire qu'il faut avoir la capacité de décider. Si l'enfant n'a pas la capacité de décider, ou même un adulte qui commence à être démentique, la démence, ne peut pas décider de soi-même, comment est-ce qu'on approche ces cas-là pour décider de ce qui est bon ou ce qui est mauvais pour ce patient? Parce qu'ici, en enlevant ce pacemaker qui a été placé chez un patient avec toutes ces comorbidités-là, certainement qu'il y aura, ce patient aura, n'est-ce pas, des complications qui peuvent amener à la mort. Alors, en tant que médecin, qu'est-ce que vous faites? Le patient vient et vous dit, moi, je ne veux plus de ce drip ou moi, je ne veux plus de ce pacemaker. Docteur, enlevez ce pacemaker. C'est ma vie, je décide. Vous devez faire attention. Vous devez d'abord, ici, le grand trap, c'était, est-ce que l'autonomie ici, est-ce que la capacité, est-ce que cette capacité à donner un informed consent existe? Est-ce que je peux vraiment procéder à la demande de mon patient? C'était donc le trap de ça. Quatrième cas. On ne va pas répondre, mais on va le lire. Ronald is told about his HIV results. That is positive. Doctor, don't tell my girlfriend Lisa. She will know that I gave it to her. She will leave me. Ronald intends to continue having sex with Lisa. And he says, I will use protection. Ah, un beau cas. Alors, on va revenir sur ces cas ici parce que c'est un cas qui est tiré des anciennes questions. How do you go about solving this? Alors, ça nous amène à je vais juste finir. OK, on va publier un autre. Ça nous amène à passer en revue et j'espère que, docteur, vous avez tous pris le temps
de passer en revue le document qui est maintenant sur vos écrans. Le document de le guideline sur Ethical Guideline of Good Practice in Healthcare Profession. J'espère que vous avez eu le temps de passer en revue ce document. Au fait, j'étais en train de dire l'autre fois que vous ne pouvez pas aller aux examens si vous n'avez pas lu complètement ou compris ce document, parce que les questions d'éthique viennent de ce document. C'est vrai, ça vient de l'autre livre que je vous ai montré la fois passée, mais vous verrez que les réponses, les questions viennent d'ici. On va même voir si on a un peu de temps, si on pourra faire 2, 3 ou 10 de questions. Alors, il y a une main levée, je vais prendre la main levée. Docteur, je vais ouvrir votre micro, docteur Lubuma. Allez-y. Oui, docteur, votre micro est ouvert. C'est moi? Oui, docteur. Non, moi, je n'ai pas demandé la parole. OK, d'accord. Peut-être c'était là avant. Peut-être c'était avant. Je n'ai pas... D'accord. Alors, et avant, peut-être qu'on puisse rapidement résumer cet ouvrage. Hein. On va résumer ça en 5-10 minutes. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à tout ce qu'on a fait depuis la séance passée jusqu'à aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des questions? OK, il n'y a pas de questions. Alors ce document, ce document est subdivisé en combien de bouclettes encore ici? 17 bouclettes. Mais ces bouclettes, au fait, on a, avec l'exercice qu'on vient de faire, on est déjà capable, docteur, de répondre un peu à tout ce qu'il y a dans toutes ces bouclettes. Hein, ça fait 335 pages. Mais comme je disais, c'est important qu'on puisse être confortable à lire ça avant d'aller aux examens. Alors, ce que je vais faire maintenant, je vais passer en revue un certain nombre de ces bouclettes, juste pour vous les résumer, pour comme ça mon exposé est un peu complet avant qu'on puisse prendre quelques battes. Le premier bouclette, General Ethical Guideline for Healthcare, qu'est-ce qu'il dit? Il introduit l'éthique, un peu comme on l'a fait, il vous donne quelques principes, et puis il vous donne aussi le ethical reasoning. Il y a tout un bon paragraphe sur ethical reasoning que vous retrouvez là-bas. Le booklet 2 vous donne un peu les bases sur lesquelles les règles d'éthique sont promulguées et sont appliquées par le HPCSC. On va par exemple vous dire dans ces booklets-là que si un patient vient dire que vous n'avez pas gardé ces informations en ordre, vous avez divulgué ces informations, le HPCSC est en droit de vous poursuivre. Pas criminellement, mais sur le plan professionnel. Vous donnez une lettre ou vous envoyez à suivre un cours d'éthique. Il y a beaucoup de méthodes que le HPCSC fait pour corriger les médecins. Le troisième booklet sur les National Patient Rights Charter, rappelez-vous ici, ce sont les Human Rights, mais au niveau national. Ça vous montre juste que les patients ont des droits, mais aussi des devoirs. Donc, il y a deux petits chapitres dans ces booklets-là. Il y a d'un côté les droits du patient, il y a de l'autre côté les devoirs du patient. Dans les droits du patient, le droit, par exemple, le patient a par exemple le droit à l'accès à la santé. Le patient a par exemple le droit à l'autonomie. Il doit savoir décider pour lui-même. Le patient a droit à la confidentialité, au respect. Donc, on vous montre un peu tous ces droits-là innés, mais au niveau national, au niveau sud-africain. Et puis, de l'autre côté, il y a les devoirs. Le patient a les devoirs de prendre soin de lui-même. C'est-à-dire, quand on lui donne les médicaments, le patient a les devoirs de se soigner, de suivre le contrat là entre le médecin. Parce que le contrat ne suffit pas seulement d'aller chez le médecin et de lui demander un certain nombre de devoirs, mais il faut aussi être dans le contrat
avec le médecin en se prenant en charge, en suivant les conseils du médecin. Mais dans les droits, il y a aussi le droit aux deuxième opinion, second opinion. C'est un droit réservé ici au patient. Le patient peut, et vous devez lui faire montrer ça quand il y a conflit. Vous dites, dans le cas de traitement que nous sommes en train de faire, vous avez le droit d'aller demander à un autre patient, à un autre médecin. Le booklet faux parle de informed consent. Un booklet important, je crois qu'il faut le lire. C'est l'un des, il y a des booklets où il ne faut vraiment pas passer en revue, il faut lire. Informed consent, si vous vous rappelez, ça nous ramène à, aux expériences du triade de Nuremberg et autres. Ici, on va montrer, on va dire qu'il y a cet élément important des capacités. Est-ce que votre malade a la capacité? Et on va, dans ces bouclettes, vous dire quelqu'un qui est sous l'alcool, un mental health care user, quelqu'un qui est démentique, qui est confus, ou un malade en coma n'a pas la capacité. Et on va aussi vous parler des enfants en dessous de 12 ans. En dessous de 12 ans, ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de décider. Mais on dit toujours aux médecins de faire un effort, même en dessous de 12 ans, d'aller demander ou d'aller informer au patient. Même quand c'est un bébé ou un enfant de 2 ans qui peut déjà vous écouter, il faut toujours se donner la peine d'expliquer ce que vous allez faire à cet enfant. Parce que, ne vous en faites pas, il y a des enfants à 3 ans, à 4 ans, ils peuvent comprendre ce que le médecin veut faire. Donc, il ne faut pas l'informed consent, on va aussi vous dire dans ces bouclettes que c'est un processus, ce n'est pas quelque chose qui arrive une fois et qui s'arrête. C'est quelque chose qui commence et qui est un processus. Et à tout moment, le patient peut dire, je n'ai plus besoin, je ne consens plus. Donc, le consent n'est pas donné de manière continue et indéterminée, comme dans les cas qu'on a vu de pacemaker. Le malade qui avait consenti à une opération, à un pacemaker, peut dire, maintenant là, moi, je ne veux plus de ce traitement, vous arrêtez. Et il faut comme ça respecter ces informed consent. Booklet 5, il faut le lire. C'est sur la confidentialité. C'est un grand principe d'éthique. La confidentialité, on le sait. Ici, on va vous parler de la confidentialité en tant que médecin. On va vous dire comment est-ce que la confidentialité est même, vous devez démontrer que vous avez, si vous êtes en private practice, vous avez entraîné par exemple celui qui travaille pour vous, votre assistant ou les clercs à l'hôpital, ils doivent être entraînés à la confidentialité parce qu'ils accèdent au dossier du malade. Les autres healthcare workers, le radiologue. Et on vous montre même comment est-ce que vous n'êtes pas obligé de divulguer l'information à tout le monde. Quand j'envoie un patient pour faire une radiographie, qui ne va pas mettre la vie du radiographe en danger, je ne suis pas obligé d'écrire dans le document du request que le patient est HIV, que le patient est en stage 4. Je ne suis pas obligé, parce que vous êtes en train de divulguer des informations non nécessaires. Donc, donnez le minimum d'informations possibles. Le patient tousse pendant 2 semaines, faites-moi une radio. Parce que le radiographe, il doit juste savoir qu'il y a une toux. On n'est pas en train de, on ne fait pas une radio pour les côtes, ribs, view X-ray, où l'exposition X-ray est différente de quand on fait les lungs X-ray. Vous lui donnez l'information pour qu'il vous donne le meilleur film pour voir le parenchyme. Mais n'allez pas maintenant aller dire en détail, ce patient est HIV, d'ailleurs je le soigne pour STI, maintenant j'ai besoin de chest X-ray. Vous donnez des informations qui ne sont pas nécessaires. Et ça, c'est un breach de confidentialité aussi, à un certain degré. Donc, la confidentialité, on va maintenant vous montrer aussi dans ces bouclettes, la 5. Quand est-ce que vous faites le breach de confidentialité? On vous dit que vous devez garder la confidentialité même quand le patient est décédé. Et il n'y a que certains cas comme le code of law, comme quand il y a les third parties qui est en danger. C'est dans certaines circonstances que vous faites le breach of confidentiality parce que la confidentialité, c'est au fait un des grands piliers de notre exercice de la médecine et il faut donc lire ce booklet 5 sur la confidentialité. Booklet 6, très intéressant.
comment est-ce que vous gérez les patients HIV? Ici, on va rentrer encore une fois dans les disclosures, how to disclose HIV, how to be compassionate. On va même parler dans ces bouclettes des médecins qui sont eux-mêmes HIV. On va parler que ces médecins-là ne doivent pas être limités dans leur exercice. On va parler de quand le médecin doit soigner un patient HIV. C'était un grand débat quand le HIV était encore dans ces années. Est-ce qu'il faut mettre deux gants? On va expliquer dans ces bouclettes comment vous protégez, par exemple, pour les orthopédistes qui doivent manipuler des segments d'os qui peuvent, n'est-ce pas, couper ou traumatiser le médecin, comment se protéger, ainsi de suite. Donc, un bouclette aussi intéressant avant d'aller aux examens. Bouclette 7, withholding and withdrawing treatment. Ici, on en a un peu parlé. Quand est-ce que vous arrêtez les traitements? Quand est-ce qu'on dit que vous êtes en train de faire ce qu'on appelle, en français, on appelait ça quoi? Pas over-servicing. Over-servicing, c'est dans les frais. L'acharnement. On appelait ça acharnement en français. Alors, ça, c'est l'inverse maintenant de l'acharnement. Quand est-ce qu'on arrête un traitement? Il ne faut pas menacer les patients et ainsi de suite. Bouclette 8, c'est tout ce qui a trait au TIOP, interruption de la grossesse. On a fait ça ici. Donc, vous avez déjà un petit bouclette qui parle de ça. Mais ne vous arrêtez pas au bouclette 8. Il faut chercher le TOP Act, parce qu'il y a toute une loi sur l'avortement en Afrique du Sud qu'il faut lire et comprendre dans son entièreté. Bouclette 9, on parle des patients, record, patients, le dossier médical. Ici, on va vous dire comment est-ce qu'un certificat, quand vous mettez les sick leave, qu'est-ce qui doit être à l'intérieur? On va vous donner tous les éléments. Comment est-ce que le dossier du malade doit être tenu? Quelle information il faut mettre dedans? Qui peut accéder à ces informations? Quand est-ce que vous détruisez un dossier médical? Les règles générales des dossiers médicaux, c'est que pour un dossier médical doit être conservé pendant au moins 6 ans. C'est la règle générale. Mais il y a des exceptions pour les maladies chroniques. On va vous donner l'exemple de l'asbestose ou les maladies qui peuvent se révéler un peu plus tard. Maintenant, on a COVID avec le vaccin. Comme on ne connaît pas encore qu'est-ce qui va se passer avec le vaccin, ces dossiers-là doivent être conservés pendant plus de 25 ans. On parle de 25 ans pour des maladies qui peuvent se révéler plus loin. 25 ans. Donc, on a première date, 6 ans. Deuxième date, 25 ans. Pour les enfants, on dit qu'il faut garder le dossier 3 ans après l'âge de la maturité qui est de 18 ans. Donc, en réalité, un dossier d'un enfant, il faut garder jusqu'à ce que l'enfant ait 21 ans. Parce que on va vous dire que l'enfant, quand il aura 21 ans, s'il veut demander des comptes aux personnes qui l'ont soigné quand il était encore enfant, il a 3 ans après avoir totalisé 18 ans pour aller voir dans son dossier et pour demander des comptes au médecin qu'il avait soigné et ainsi de suite. Donc, on peut être même poursuivi pour des problèmes d'erreurs médicales et ainsi de suite par un enfant que vous avez soigné il y a 10 ans parce que maintenant, il est mature, il est adulte, il veut accéder à son dossier. Ou bien, il y avait un problème de paternité ou bien il y avait un problème, toutes sortes de problèmes. Donc, on vient aussi de connaître ce chiffre-là important des 18 plus 3 pour les enfants, 25 ans, 6 ans. Quel chiffre encore il y a là pour les dossiers? Vous allez lire certainement et les découvrir. Donc, c'est important de lire comment est-ce que les dossiers médicaux doivent être conservés. L'utilisation de télémédecine. Télémédecine, il y aura bouclette 16 avec social media. Télémédecine, on vous montre juste comment entrer. Maintenant, il y a même des cliniques qui font télémédecine. On vous dit, par exemple, pour aller en télémédecine avec un patient, vous devez assurer au patient ou, disons, donner de conseils au patient. Si c'est un traitement d'urgence, il faut arrêter.
la télémédecine et dire aux patients, donc, tel que je suis en train de vous voir à travers ces Zooms, à travers cette consultation, vous n'allez pas bien, allez dans un centre des urgences. On va vous dire aussi, la télémédecine est limitée seulement au cas où, au cas qui ne nécessite pas, par exemple, l'examination physique. Donc, c'est une médecine bien limitée et il faut l'utiliser comme telle. Donc, on ne peut pas abuser de la télémédecine en faisant, par exemple, de l'urologie ou de la gynécologie parce qu'il faut aller examiner, ou même la chirurgie générale parce qu'il faut examiner. Mais on peut faire la télémédecine avec des aspects subjectifs, des counseling et ainsi de suite, ou des suivis, des dermatologies, ainsi de suite. Booklet 11, over-servicing, incentive. Bref, booklet 11 parle de comment est-ce que l'argent doit circuler. On va vous dire, il ne faut pas, par exemple, charger double un patient. On va vous dire, par exemple, si deux médecins consultent au même moment un patient, un dentiste d'un côté, un médecin généraliste ou spécialiste, on va vous dire, il ne faut pas que tous ces médecins-là, au cours de la même consultation, puisse charger, à moins que le patient soit entré dans une salle de consultation et puis dans une autre. Mais si les médecins se regroupent pour dire, donc viens me donner une idée sur ce patient, et puis tu dis, bon, je me rappelle, j'ai eu un cas, par exemple, j'ai voyé un de mes patients en privé, et puis j'ai demandé à un de mes collègues, viens un peu, qu'est-ce que tu penses de ce patient, et un, deux, trois, qu'est-ce qu'on peut faire ici? Il dit, non, docteur, moi, je pense qu'on peut faire ceci, cela. Il avait autant de droits que moi de clamer sur ce patient-là. Mais ce n'est pas parce que j'ai demandé son opinion sur ce patient qu'il doit alors aller dans son computer et dire, oui, j'ai donné un avis sur patient Alfred, qui est soigné par docteur Mbuilou. Maintenant, aujourd'hui, sur les frais de consultation, moi aussi, je vais clamer. Ça, vous êtes en train de over-service, vous êtes en train de percevoir de l'argent sur le même patient pour dans une même salle de consultation. Ce n'est pas éthique. Et il y a beaucoup d'autres éléments sur les financements. On va vous dire comment ne pas recevoir des rétro-commissions. Le mot revient. Les rétro-commissions sur les laboratoires ou les scanners, c'est une pratique qu'on a vue sous d'autres cieux, n'est-ce pas? Les gens envoient les patients faire un scanner et puis le laboratoire ou le radiologue vous renvoie un peu d'argent pour dire merci beaucoup, vous m'avez envoyé ces patients, partageons les bénéfices. C'est unethical. Parce que maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Et on va même vous parler de comment est-ce qu'un médecin qui est propriétaire ou qui a des actions dans un hôpital, comment est-ce que ce médecin doit, lorsqu'il doit admettre dans cet hôpital, ce médecin, on va vous dire dans le booklet que dans votre salle de consultation, il faut clairement dire que j'ai des actions dans cet hôpital. Si vous ne dites pas ça, docteur, et vous êtes en train d'admettre tout le monde parce que vous voulez que l'hôpital puisse faire de l'argent parce qu'à la fin, vous vous retrouvez. C'est aussi unethical. Donc, c'est un booklet qu'il faut aussi lire parce que ça parle de l'argent et je crois que ça parle aussi de comment soigner, de comment traiter d'autres collègues quand il s'agit de leur rémunérer. Quand quelqu'un a fait un locum chez toi, il faut le payer. Il faut le payer très bien au rate et ainsi de suite. Alors, booklet 12, c'est les booklets des Healthcare Waste Management. Donc, ça, c'est un booklet qu'il faut aussi lire. On va vous dire qu'il faut protéger l'environnement. On a cette responsabilité-là. Il faut faire attention parce que les waste, medical waste, peuvent amener à des épidémies. Il ne faut pas les jeter dans les dumping sites là-bas parce qu'il y a toujours les scavengers, ces jeunes gens qui vont dans les endroits des poubelles pour chercher. Si vous jetez vos shapes, vos bistouris et vos needles dans les normal dumping site qui n'est pas clôturé, on va vous dire, mais ce n'est pas bien parce que ici vous mettez la vie d'autres personnes en danger parce qu'on respecte ces gens-là qui vont faire le scavenging dans les poubelles publiques. Donc, il faut lire celui-là aussi.
On est dans bouclette combien là? On est dans Elf West. Oh, et bouclette 13. Bouclette 13, je crois 13 et même 14 et 15, les trois bouclettes, tous parlent un peu de comment est-ce que le médecin se comporte dans la recherche. Et ici, le principe est simple, il ne faut pas être engagé dans des recherches qui mettent en danger le monde, comme le développement des armes biologiques, des armes nucléaires. Les médecins ne doivent en réalité pas être impliqués. En Afrique du Sud, avant d'être impliqué dans une recherche, par exemple, des agents biologiques, il faut aller appliquer à l'HPCSC. Donc, cette application, elle ne passe même pas seulement dans un ethical committee d'une université ou d'une compagnie. Il faut aller là-bas. Et puis, on vous montre comment est-ce qu'il faut la beneficence pour les sujets qui participent à votre recherche et ainsi de suite. Donc, il faut lire les trois bouclettes. Et je crois qu'on a fini. Dernière bouclette. Non. Il y a les social media. Les social media couvrent tout ce qui a trait à l'utilisation des social media et surtout à comment il faut rester professionnel ou bien séparer ce qu'on fait dans sa vie normale, dans sa vie non professionnelle, de ce qu'on fait dans sa vie professionnelle. Il faut que la démarcation soit claire. Que ici, j'interviens en tant que médecin. Ici, j'interviens pas en tant que médecin, mais j'interviens en tant que membre de la société. Les gens qui vous suivent doivent être clairs. On vous montre aussi comment placer les limites, parce que le social media, vous avez un patient qui vous écrit maintenant par WhatsApp pour dire docteur, et puis il commence à dévier, il passe au-delà des limites. Il faut savoir très vite couper et remettre le patient dans l'ordre. Un booklet aussi intéressant à lire sur le social media. Et le dernier booklet, je crois que c'est le dernier, oui, 17, c'est palliative care. Ici, on va parler de l'euthanasie. L'euthanasie n'est pas... l'euthanasie qui consiste à donner une injection ou un médicament létal pour arrêter la vie d'un malade n'est pas acceptée en Afrique du Sud. Il n'y a aucune loi qui soutient donc l'euthanasie. On va vous parler là-bas de tout ce qu'il y a dans palliative care, que le palliative care doit être accessible de la naissance à la vieillesse, donc dès le néonatal. Et on va donner un certain nombre de lois d'éthique sur le palliative care, un booklet aussi intéressant. Donc, je viens de vous faire ici un petit résumé, mais j'espère que chacun de nous qui va aller aux examens va vraiment lire tous ces éléments-là. C'est très long, 300 pages, mais je crois que en une journée, on peut lire ça, si vous vous concentrez. Un week-end, on peut passer ça en revue. La meilleure manière de passer en revue ces bouclettes, c'est de faire des exercices des anciennes papiers, parce qu'alors là, ça vous oblige de rentrer aux bouclettes. Alors, malheureusement, il est 21h, on va arrêter, mais je crois qu'on peut, je vais chercher si je peux trouver mes battes ici. Est-ce que je vous ai partagé ces battes? Le bat doit être dans le groupe, on avait partagé ça. Donc, si vous entrez dans Telegram, vous cliquez sur la partie en haut, vous entrez sur les médias, vous cherchez dans les documents, vous aurez toutes ces battes ici d'éthique qui ne sont pas évidemment résolues, mais que vous pouvez utiliser. Je vais juste rapidement chercher si je peux trouver. Et on va prendre une petite température de ces battes avant de finir la session d'aujourd'hui. Bioéthique. Ok, donc on avait eu le privilège d'avoir des battes qui sont venus d'un de nos amis. Ok, donc je les ai retrouvés. Où est-ce qu'il est? Voilà, je suis en train de partager ici quelques battes. Je vais
on va pas résoudre, mais je crois que vous retrouvez ça dans les télégrammes, mais juste pour vous montrer un peu tout ce qu'on a fait et si vous êtes maintenant confortable à répondre à ces genres de questions. Prenons la première question. 28 year old man. Évidemment, on n'a pas eu le temps de faire d'étudier l'autonomie en détail. Il y a toute une présentation qui n'est que sur l'autonomie, sur la capacité. When do you say that someone is capable of giving informed consent? Tout ça, c'est mieux de faire ça en pratique quand on a des questions. 28-year-old man presents to emergency room with testicular torsion in extreme pain. Emergency surgery is scheduled, but urologists will be unable to see the patient for at least 1 hour. He asks that the patient not be given any pain medication so that consent can be obtained when he sees the patient. Are the surgeon concerned about informed consent valid? Are the surgeon concerned about informed consent valid? On donne les assertions. Comme j'avais dit, ces assertions ici, ne prenez pas les réponses qui sont là. Vous devez vous-même marquer, disons, choisir. Alors, yes, because the surgeon has obtained informed consent from patient before surgery and the pain medication will invalidate the consent. Yes, because hospital policy require presence of informed consent from lucid person before surgery. Sorry. Trois, informed consent is not required in this case because it's an emergency. Je crois que j'ai pris celui qui n'avait qu'une seule page. Sorry, j'avais ouvert juste une seule page, au lieu d'ouvrir. OK. So, informed consent is not required in this case because it's an emergency. Puis, medication so that consent can be... OK, ça c'est la même. The surgeon concerns are not valid because severe pain by impairing a patient's ability to listen and understand is an encumbrance to the informed consent process. Voilà. Voilà un bel exemple de... alors, deuxième, on reviendra certainement un autre jour pour débattre de tout ça, parce qu'on devra arrêter. In terms of compensation for occupational injury disease, Act 130-93, previously referred to as Workmen Compensation Act, which statement is most appropriate? Donc, ça demande que l'on connaisse ces actes-là. On va passer. Okay, Miss Kumalo, 15 girl, come to see you complaining of sores here. After you examine, you prescribe analgesia and antibiotic. Regarding HPCSA guideline on medical record, choose the single best statement. The record can be stored on office computer so that other practice can attend. The practice must keep hard copy of consultation. A record must be kept for minimum of 3 years after consultation. As she's a minor, the record must be kept until she's 21 years of age. Ah, là, il y avait quand même une belle réponse. Bon, c'est pour prendre la température des choses qu'on a fait. In terms of Mental Health Act 17 of 2002, a mental health care user must be provided with care, treatment, and rehabilitation service without his consent if, one,
he is at risk of inflicting harm to himself. He may spend all his pension found at the casino. He requires protection from damage to his reputation. He is incapable of making an informed decision about his care. Et là, la réponse, on vous dit soit que c'est 1, 2, 3, 4, 1, 2, 2, 3, 1, 4. Donc ça, il y a une bouclette qui parle de cela. Quand vous aurez lu, vous allez savoir. Ça, c'est aussi une réponse valide. Les quatre arguments, évidemment, peuvent être utilisés pour traiter un mental health care user without his consent. In terms of access to medical records, the most appropriate statement, donc medical records, ça revient encore. Là, on dit que 12 years old of age can access his record and so on. Donc, ça revient. Question 6. Old man consented to a tubal ligation. While doing the procedure, a surgeon noted a suspicious mass on the left ovary and removed both ovary to ensure that Mrs. G did not develop cancer of ovaries. Choose most appropriate statement. Interesting. OK, alors, ça c'est beau, il faut aller lire ça et répondre. A health practitioner may make available the patient record to a third party without written authorization of the patient or his legal representative under the following circumstances. Ça encore, ça vient des bouclettes. Hein. Voilà, je crois que je vous ai donné le test de toutes ces questions et il y en a une centaine. Ces questions sont dans le groupe. S'il n'y en a pas plus, rappelez-moi comme ça, on va les chercher ensemble et les mettre à la surface. Avec cela, docteur, nous avons fini l'éthique. Comme j'ai dit, on va randomly avant juillet revenir pour faire quelques battes ensemble parce que c'est toujours intéressant de débattre les battes en groupe. On n'a pas toujours la réponse soi-même. Il y a quelqu'un qui a lu une page que vous n'avez pas certainement lue et qui a certainement un peu plus de insight, des connaissances sur un aspect. Donc, il faut toujours se mettre en groupe et discuter surtout des battes, de l'éthique. L'éthique se prépare en groupe. Cela étant dit, on va prendre une question et après on va s'arrêter. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais unmute tout le monde. No, I'm going to allow